C'est officiel, la maladie à virus Ebola est terminée dans le territoire de Béni. Une 13e épidémie vaincue grâce à l'expertise congolaise. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait l'annonce aujourd'hui à Kinshasa. Pour une grande première, les épreuves nationales de la formation professionnelle ont eu lieu et les résultats sont disponibles. Les meilleurs lauréats se sont retrouvés à Kinshasa et ont reçu du Premier ministre des brevets de certification d'aptitude professionnelle. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 20h, c'est l'heure de vous informer. Plus que 3 mois accordés aux partenaires techniques pour le démarrage du projet de production des batteries en République démocratique du Congo, deadline lancé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, membre de la Commission économique pour l'Afrique et aux membres d'Afrique-SIM Bank au cours d'une audience leur a accordé. Guilain Kabalundi pour les détails. La République démocratique du Congo est résolument engagée à mettre en œuvre sa feuille de route pour la concrétisation du projet de fabrication de batteries des véhicules électriques. Cet engagement, qui avait été pris lors du Business Forum tenu à Kinshasa il y a 3 semaines, a été renouvelé ce mercredi à la Cité de l'Union africaine au cours de l'audience que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accordée à une délégation de la Commission économique pour l'Afrique et celle de la Banque africaine d'export et d'import, Afresim Bank. Pour ce projet porteur d'emplois et devant créer la prospérité en RDC, le chef de l'État a octroyé une échéance de 3 mois à ses partenaires techniques et financiers pour revenir avec des manifestations de lancement du dit projet. Le président nous a donné une échéance de 3 mois pour revenir avec des manifestations déjà de lancement de ce projet. Nous avons évidemment parlé du fait que ce projet serait un projet qui va créer l'emploi, qui va augmenter la prospérité en RDC, mais c'est aussi un projet qui rejoint très facilement la zone de libre-échange continental africain, donc la ZLECAF, et comment est-ce que toute la région peut en profiter. Entre la RDC et la Zambie, entre eux deux, ils font à peu près 80% du part de marché de cobalt mondial. Donc vous voyez un peu la part économique que ça pourrait éventuellement avoir comme retombée économique. S'agissant du financement de cet important projet, la Afresim Bank espère jouer sa partition d'ici le premier trimestre de l'année 2022 en mobilisant une somme de 500 millions de dollars américains. J'espère compléter tout le travail préliminaire le premier trimestre de l'année prochaine et dès qu'il est complété, ils pourront mobiliser aux alentours de 500 millions de dollars. Invité à cette réunion, le Fonds de promotion des investissements FPI a rencontré la délégation de la Afresim Bank avec laquelle son institution est en négociation pour obtenir des financements afin de réaliser de grands travaux dans le Kasaï. Selon le FPI, c'est grâce à l'intervention du chef de l'État que le blocage qui persistait a été levé au sujet du taux d'intérêt. Nous avons imploré le chef de l'État pour qu'il puisse peser de son poids auprès d'Afresim Bank internationale pour obtenir que les blocages qui étaient au niveau du taux d'intérêt soient levés. Et c'est ce que nous venons d'obtenir, donc le taux d'intérêt a été revu au même titre que les taux d'intérêt appliqués localement par les banques locales. La mise en œuvre de ce projet de production de batteries électriques se présente donc comme une opportunité pour la RDC et tout le continent. Restons à la Cité de l'Union africaine où le chef de l'État a aussi échangé avec quelques femmes réunies au sein de la structure Femmes d'exception. Les échanges ont gravité autour des questions relatives à la promotion de l'égalité du genre en République démocratique du Congo. Guilain Kabalundi. Son engagement pour la promotion de l'égalité du genre en RDC a été reconnu et salué par les femmes d'exception ce mercredi à la Cité de l'Union africaine. C'était lors d'une séance de travail que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu dans la soirée avec cette délégation des femmes en présence de sa directrice de cabinet adjoint en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques. Cet échantillon de femmes issues des divers domaines de la vie a félicité le chef de l'État pour les dernières nominations phares de femmes, dont une à la tête de la Banque centrale du Congo et dans certaines institutions régionales. Nous avons félicité le chef de l'État pour ses efforts et nous avons sollicité de lui d'améliorer ses nominations en nombre.
parce qu'il y a eu des femmes dans la diplomatie, par exemple, il n'y avait que deux femmes sur plusieurs hommes. Nous reconnaissons les efforts qu'ils fournissent, mais nous sollicitons qu'ils puissent améliorer en nombre. Les femmes ont à l'occasion sollicité du garant de la nation son implication dans le processus de la révision de la loi électorale pour contraindre les partis politiques et regroupements d'aligner plus de femmes. Il y a eu aussi un plaidoyer pour son implication personnelle dans le processus de la révision de la loi électorale, rendre la disposition de l'article 13 contraignante afin qu'en 2023, les partis politiques et les regroupements soient obligés d'aligner plus de femmes. Il y a eu les plaidoyers pour les femmes qui sont dans les entreprises publiques pour qu'elles puissent bénéficier des nominations et des grades, que nous ayons plus de femmes. De nombreuses autres questions touchant notamment au social du Congolais ont été abordées dans ce cadre consultatif, dont l'objectif est de faire participer la gente féminine au développement de la République démocratique du Congo. Eh bien, la famille biologique du président de la République est en deuil. Le chef de l'État a perdu un de ses cousins depuis le 8 décembre dernier. Le couple présidentiel a rendu à l'illustre disparu un dernier hommage. Blandine Zovo. Il n'y a pas plus dure épreuve que de perdre un être cher. Celui considéré comme le socle de toute une famille s'en est allé, laissant derrière lui une douleur atroce qui se dégageait des visages mélancoliques des membres des familles, amis et connaissances du défunt, ici, sur l'esplanade de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire. Cyril Mbia Mwenza, ou Mbia Mwenza, a quitté la terre des vivants le mercredi 8 décembre 2021 à Kinshasa. Toujours proche des siens, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, cousin de l'illustre disparu, est venu saluer la mémoire de celui qu'il appelait affectueusement Joe Lemvandou, comme le témoigne l'oraison funèbre faite par l'un des proches de la famille. Accompagné de son épouse, la première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, le couple présidentiel a déposé sa couronne de fleurs avant d'approcher chaleureusement la veuve et les orphelins inconsolables. Né le 8 mai 1965, cinquième d'une famille nombreuse, Cyril Mbia Mwenza ou Mbia Mwenza était jusqu'à sa mort chef de division à la DGRAD Kasaï Oriental. Marié à Madame Madeleine Ntumba Mpinda, à qui il laisse 7 adorables enfants, dont 3 filles et 4 garçons. Dieu a donné, Dieu a repris, que l'âme de son serviteur Cyril Mbia Mwenza ou Mbia Mwenza repose en paix. Tout à fait autre chose à présent, en prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la chambre basse du Parlement vient de l'adopter pour la 14e fois consécutive sur 279 votants. 274 ont voté pour. Les élus du peuple se sont prononcés au cours de la plénière présidée par l'honorable Christophe Mbosoko Diampwanga, Sylvie Moyembo, Edith Chala et Bernard Bodo. Les députés nationaux votent la 14e prorogation de l'état de siège à Ituri et au Nord Kivu. Sous la houlette de Christophe Mbosoko Diampwanga, speaker de la Chambre basse du Parlement, les élus nationaux se sont retrouvés jeudi 17 décembre dans la salle des congrès du Palais du Peuple. À l'ordre du jour de la plénière, le vote du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Dans son exposé des motifs, le ministre d'État, ministre du Développement Rural, François Robota, a motivé cette énième prorogation par le fait de la persistance de la situation d'insécurité et en vue de consolider la nouvelle dynamique sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu.
cette nouvelle prorogation conformément aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. Ce régime d'exception est sollicité afin de permettre aux forces armées engagées au combat de poursuivre les opérations pour restaurer la paix dans ces provinces. Sans débat, la 14e prorogation de l'état de siège a été votée par 250 députés sur les 279 présents. La clôture de la session ordinaire de septembre prévue le 15 décembre à la Chambre haute du Parlement vient d'être retardée. Les sénateurs veulent d'abord procéder au vote du projet de loi sur l'habilitation et la prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Hier, mercredi 15 décembre, le Sénat a voté deux lois, l'une portant sur la loi rectificative du budget 2021 et l'autre sur la loi des finances 2022. Gaylor Kimpianga. Le Sénat abat un travail de marathon pour vider la matière inscrite au calendrier de la session de septembre. À la plénière de mercredi 15 décembre 2021, deux lois, non de moindre, ont été votées à l'unanimité. Il s'agit de la loi rectificative du budget 2021 et de la loi des finances 2022. Toutes ces lois ont été votées après présentation des rapports y relatifs par la commission ECOFIN et bonne gouvernance du Sénat qui travaille d'arrache-pied depuis quelques jours. Pour la première loi, votée en termes identiques avec l'Assemblée nationale, elle sera envoyée au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour promulgation. Et la seconde appelle convocation d'une commission paritaire de deux chambres afin d'harmoniser les vues, car le Sénat a pu dégager environ 97 millions d'excédents. Pour la loi rectificative 2021, sur 109 membres qui composent le Sénat, 95 membres ont pris part au vote, 95 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, aucun membre n'a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote le projet de loi de finances rectificative de l'exercice 2021. La clôture de la session ordinaire de septembre prévue le 15 décembre a été retardée pour permettre au Sénat de voter le projet de loi d'habilitation et celui portant prorogation de l'état de siège décrété dans une partie du territoire national. Il faut souligner que la loi d'habilitation permettra au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de proroger l'état de siège dans les provinces concernées sans recourir au Parlement qui va bientôt en vacances. Le Sénat a décidé la mise en place d'une commission d'enquête afin de voir clair dans le dossier de plus de 700 projets prévus dans le budget 2020, mais non exécutés. C'est une première au ministère de la formation professionnelle. Ce ministère vient d'organiser sa première édition des épreuves de l'examen national. Et pour cette première édition, le Premier ministre, chef du gouvernement, a voulu remettre des certificats aux lauréats. Question d'encourager un grand nombre de jeunes d'embrasser les filières techniques. C'était aujourd'hui au Musée national. Patrice Ndongou, Marcel Mubenga et bienvenue le Sala. Au total, 15 lauréats ont réussi avec succès à la première édition des épreuves de l'examen national des fins d'études des formations professionnelles dénommé Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge a voulu marquer par sa présence cette édition avec un point d'honneur, la remise par les chefs du gouvernement de la clé USB contenant les résultats de ces épreuves sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. La formation professionnelle est une façon d'aider le gouvernement à combattre le chômage. Elle doit cesser d'être considérée comme un cycle de rattrapage, a martelé Jean-Michel Samalukonde Kyenge. Je suis heureux d'être parmi vous ce jour pour constater l'effectivité de la mise en œuvre de la vision du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour mettre l'homme au centre de l'action du gouvernement et de faire de la promotion du capital humain une grande cause nationale. À tous les lauréats, merci d'avoir participé aux épreuves de l'examen national de fin d'études professionnelles. Je formule le vœu que votre attitude citoyenne demeure ainsi
dans votre vie professionnelle. Soyez rassurés, le gouvernement de la République ne vous abandonnera pas. La ministre de la Formation professionnelle a remercié le Premier ministre qui a honoré son ministère pour Antoinette Kipulu. Cela prouve à suffisance l'intérêt que le gouvernement accorde à ces secteurs qui visent la création d'une classe moyenne en République démocratique du Congo. Discours terminé, place à la remise des certificats. Le maire des lauréats, Joseph Mungu Monotula, avec 90% en peinture et vitrerie, est sorti du Centre Soleil Levant qui s'occupe aussi des malentendants qui dirigent les couples pastoraux Guyenne. La cérémonie s'est clôturée par la visite des stands où sont exposés des produits fabriqués localement. Faux et archi-faux, il n'existe aucune agence en gestation pour gérer la redevance de la RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise, démenti apporté par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya, lors de son échange dit des vérités avec tous les agents et cadres de ce média public aujourd'hui au studio Mama Angebi. Regardez. À un moment donné, on se regarde dans les yeux. Et qu'on se dise l'essentiel d'aujourd'hui, c'est quoi ? Dans un échange de vérité entre la tutelle, le comité de gestion ainsi que les agents et cadres de la RTNC, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, a apporté des éclairages à certaines accusations. J'ai entendu dire plusieurs fois, Excellence Yoko, engagé Badou Awa. Depuis que moi je suis ministre de la Communication, ça fait 6 mois. Je n'ai pas engagé même un balayeur à la Tout en présentant anticipativement ses vœux le meilleur aux agents et cadres, Patrick Muyaya est revenu sur le contexte conduisant à la suspension de Freddy Moulumba au poste de DGAI, l'environnement malsain observé au sein de cette entreprise étatique, la redevance ainsi que la prétendue agence qui aurait la tâche de gérer cette redevance. Maman Agnès, moi je n'ai pas d'agence. Responsabilité. Je veux vous dire. Moi, je suis ministre des tutelles. Moi, je dois réfléchir à trouver des solutions. Pour mieux appréhender le vrai problème de la RTNC, une prise de parole sans tabou a été accordée à quelques agents et cadres. La présence de fictifs dans le liste de pays, problématique des infrastructures sanitaires, la position de la RTNC 2E3 ainsi que la radio, non-respect de grille de programme, absence de frais de production, pour ne citer que cela. J'ai des collègues aussi qui sont malades. Au moment où je vous parle, il y en a même qui se sont hospitalisés. À ces problèmes soulevés, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, promet la mise en place d'un cadre de dialogue permettant de le résoudre. Pour le ministre Muyaya Katembwe, la RTNC doit demeurer un instrument de puissance que possède la RDC. Moi, je parle du changement de narratif, et ce narratif ne peut être mieux porté que par la RTNC, parce que c'est le miroir. Il n'aura fallu que 2 mois et 9 jours pour stopper la 13e épidémie d'Ebola dans la province du Nord Kivu et elle est la plus courte qu'ait connue la République démocratique du Congo. Le ministre de la Santé vient de déclarer officiellement la fin de cette pandémie ou de cette épidémie qui avait fait éruption le 8 octobre dernier dans la zone de santé de Béni. Regardez. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani, déclare officiellement ce 16 décembre 2021 la fin de l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans le Nord Kivu. C'est une bonne nouvelle pour la population de la zone de santé de Beni dans la province du Nord Kivu, mais aussi de l'ensemble du peuple congolais. En ce jeudi 16 décembre 2021, après 42 jours de surveillance renforcée, 100 nouveaux cas confirmés. Et selon le protocole OMS, je suis heureux de déclarer solennellement la fin de la 13e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, qui aura duré 2 mois et 9 jours. Je remercie particulièrement la Division provinciale de la santé du Nord Kivu, les experts du niveau national, ainsi que les équipes locales qui ont œuvré sans relâche pour l'obtention de ce résultat. Le ministre a terminé sa communication du jour en rappelant que les pays de Félix Tshisekedi continuent à faire face à la pandémie de COVID-19.
Pour vaincre ces fléaux, la population est conviée à respecter scrupuleusement les gestes barrières et à se faire vacciner, a dit le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani. Vous l'avez là reconnu, le timbre vocal de Lopez Kakuba. Situé sur l'avenue des Libérations, ex 24 novembre, à la hauteur de Saute-Mouton, l'Olympic Hospital a été inauguré hier mercredi. La coupure du ruban symbolique de cette formation médicale moderne a été effectuée par le coordonnateur de la cellule d'appui au programme intégré d'urgence pour le développement communautaire, Philippe Ngwala, et la ministre provinciale de la Santé, Lisa Nembalemba. Edith Chala. Olympic Hospital, c'est le centre hospitalier qui vient d'être inauguré sur l'avenue X24 en novembre. Il est le fruit d'un partenariat avec la Chine, la cellule d'appui du programme d'urgence intégré de développement communautaire CAPUIDC. Structure spécialisée de la présidence de la République, a activement travaillé à l'atteinte de ses résultats dans l'amélioration des soins de santé des populations. Philippe Ngwala Malemba, coordonnateur de la CAPUIDC, se félicite de cette réalisation. Dans le cadre de ce partenariat, la CAPUDC a obtenu l'extension de cet ouvrage dans d'autres communes de la ville-province de Kinshasa, ainsi que dans les autres provinces à l'intérieur du pays. D'autres partenariats sont en cours de mobilisation dans divers domaines inscrits dans les programmes d'urgence intégrés de développement communautaire afin de contribuer de façon effective et efficiente aux engagements du président de la République en faveur de l'amélioration de la qualité de vie de la population congolaise. Cette infrastructure moderne dispose d'une imagerie à résonance magnétique, médecine interne, chirurgie dentistérie, un plateau technique au bénéfice de Kinshasa. Au niveau de la ville de Kinshasa, notre objectif est d'avoir vraiment des hôpitaux de qualité. Et Olympic Hospital répond déjà à tous les critères. Nous y avons veillé en amont. La CAPUIDC permet une coordination des actions urgentes à mener pour l'amélioration des conditions de vie des populations créées par le chef de l'État et confiée à cet expert international en gestion de projet. Et ce message, il circule dans les réseaux sociaux, un message tweeté attribué à Monsieur Jean-Simon Foutikiakou, directeur général intérimaire de la Caisse nationale de sécurité sociale. Et par le présent message, la CNSS tient à informer l'opinion publique que Monsieur Jean-Simon Foutikiakou n'a pas un compte Twitter comme Facebook. De ce fait, le message posté sur Twitter est sans doute des élucubrations des personnes recrutées pour salir la personne de Monsieur directeur général intérimaire et de saper les actions menées par pour remettre de l'ordre dans la gouvernance de la CNSS. Et c'est le service de la communication qui nous le fait dire. 100 milliards de dollars américains, c'est l'enveloppe allouée au projet de construction des centrales photovoltaïques de la province de Maïndombé. Il y aura bientôt du courant dans cette partie du pays et les travaux démarrent dans moins d'une année. Le ministre des Ressources hydrauliques a signé aujourd'hui cet accord avec l'entreprise électricale pour l'exécution de ce projet. Les images et commentaires dans nos prochaines éditions. Et en image, la nouvelle équipe dirigeante de la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, est déjà en fonction. Elle a tenu hier sa première assemblée générale à laquelle a participé la ministre d'État en charge du portefeuille. Madame Adèle Kaina a appelé les membres de ce nouveau comité à plus de transparence tout au long de leur mandature. Emmanuel Commissaire, Angèle Mabialandou et Elie Etomba. Après leur nomination par ordonnance présidentielle le 3 décembre 2021, les membres du conseil d'administration de la Générale des Carrières et des Mines se sont réunis en assemblée générale ce mercredi en présence de la ministre d'État en charge du portefeuille. La princesse Adèle Kaïnda Maïna en a profité pour capitaliser ces moments d'échange et saluer les efforts consentis par les membres du conseil de la GECAMINE. Elle a par la suite formulé quelques recommandations à la nouvelle équipe dirigeante de cette entreprise minière d'État pour sa bonne marche, elle qui est investie d'une mission, celle de redorer l'image de ces géants miniers. Votre conseil d'administration devra donc s'atteler au plus tôt à construire une stratégie pour que la GECAMINE puisse prétendre concourir à armes égales avec ses concurrents d'aujourd'hui
et c'est de demain. De son côté, l'ancien PCA de la Gécamines, Albert Yuma, a trouvé de mots justes pour dire sa reconnaissance au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour la confiance placée en sa personne dans la gestion de cette entreprise. Pour rappel, 9 membres constituent la nouvelle équipe de la Gécamines, composée du PCA Kaputo Kaloubi, du directeur général Tambwengoy Kabongo, du directeur général adjoint Mouine Kabiena, ainsi que d'autres membres de l'administration. Rému ménage au sein des entreprises des régies financières de la République démocratique du Congo. Les nouveaux mandataires viennent de prendre le bâton de commandement, que ce soit à la DGDA comme à la DGRAD, après une cérémonie de remise-reprise. Cédric Enina. C'est désormais une dame aux commandes de la Direction générale des douanes et accises, et ce, pour la première fois dans l'histoire de cette régie financière. Blandine Kawanda Walwom. Le nouveau DG a pris officiellement ses fonctions en remplacement de Jean-Baptiste Kongolo Kabila Mouchi. La nouvelle patronne de douanes et accises, nommée par ordonnance présidentielle, a œuvré utilement pendant plusieurs années, tête de la représentation de la DGDA auprès de l'Organisation mondiale des douanes à Bruxelles, en Belgique. Elle sera secondée par Bernard Kabessé Moussangou, directeur général adjoint chargé des questions techniques, et Jean-Louis Baouna, en charge de l'administration et finances. Jean-Parfait Tabala, lui, a été nommé à la tête de la Direction générale des recettes administratives, domaniales, judiciaires et des participations DGRAD. Il remplace à ses postes Magui Sambi. Pour l'exercice budgétaire 2022, la nouvelle équipe compte crever les plafonds des assignations. Et parmi les projets prioritaires, les nouveaux mandataires de la DGRAD comptent doter cette régie financière d'un bâtiment propre. Jean-Parfait Tabala a hérité d'une DGRAD qui a réalisé un taux d'exécution des prévisions budgétaires de plus de 107%, un taux d'exécution du contrat de performance de 93%. Kinshasa va abriter ce 19 décembre une conférence internationale dénommée Business Seminar, une conférence organisée par l'Institut des Management basé en Grande-Bretagne. D'autres précisions dans ce reportage signé Joseph Oscar Malkaïch. La conférence internationale que compte organiser l'Institut de Management AMM Research, basé à Londres, vise à transformer les défis majeurs auxquels fait face la RDC en opportunités d'affaires. Cadres d'entreprise, hommes d'affaires, étudiants sont attendus à ce séminaire, à ce séminaire business prévu ce 19 décembre 2021 à Kinshasa. L'Institut de Management, basé à Londres, en Grande-Bretagne, avec une représentation en RDC, encadre des étudiants de tous horizons avec un programme standard de LMD. Des études sont organisées en ligne, tout comme en présentiel. Des étudiants suivent des cours dans plusieurs pays du monde, notamment l'Espagne, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France et les Émirats arabes unis, précisément à Dubaï. L'objectif de la conférence, c'est de pouvoir réunir les professionnels des entreprises, les cadres, les membres de gouvernement, les organisations non gouvernementales, les leaders, les managers, pour d'abord comment transformer les problèmes en opportunités économiques. Des formations sont organisées en gestion financière, santé publique, marketing, gestion des ressources humaines, gestion des projets, gestion des ventes et gestion des risques. La liste n'est pas exhaustive. Lutte contre la délinquance juvénile, l'une des priorités du gouvernement, et le président de la République l'a relevé dans son discours sur l'état de la nation, un motif de satisfaction pour l'une des figures de proue de la lutte contre le phénomène Koulouna, l'honorable Jean-Marie Loukoulassi. Il a eu des mots justes pour remercier le garant de la nation, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui ne lésine pas sur les moyens pour éradiquer ce fléau. Charmant Lélo. Le chef de l'État en a fait une préoccupation urgente, la lutte contre la délinquance juvénile en milieu urbain. Il l'a rappelé dans son discours sur l'état de la nation devant les deux chambres réunies en congrès. L'honorable Jean-Marie Loukoulassi Massamba, présent à l'occasion, veut intensifier son combat de toujours, la réinsertion des Koulouna, en leur offrant une alternative. Kanyama Kasisi.
Ceux qui adhèrent se font identifier, désintoxiquer et réinsérer dans la société. Un centre moderne a même été construit pour ce faire. Jean-Marie Lukula Simasomba, président de G24, est le pionnier de cette lutte contre le Kuluna à Kinshasa. Cette intervention du chef de l'État est un réconfort et une marque de confiance pour cet élu de la FUNA qui est résolument engagé à donner une occupation à ces jeunes. J'ai saisi cette occasion pour saluer ces discours majestueux qui tracent les objectifs ambitieux en cours et à venir fixés au gouvernement. Je pointe en particulier les avancées significatives contre le phénomène Kuluna sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui soutient corps et âme les efforts tant au niveau de la police, de nos services d'intelligence, qu'au niveau des organisations non gouvernementales telles que la nôtre G24. L'engagement de Jean-Marie Lukulasi pour la réinsertion des jeunes a inspiré le pouvoir public dans la prise en charge de ces jeunes. Et le Centre de recherche géologique a reçu pour optimiser ses capacités des matériels de laboratoire une dotation capable de le mettre au diapason des centres modernes. Images et commentaires. Pour viabiliser les centres et instituts de recherche étatiques, des matériels de pointe spécifiques dont du gouvernement de la République ont été remis par le ministre de la Recherche scientifique et Innovation technologique José Mpanda Kabangu au chef des centres. Le centre de recherche géologique et minière a bénéficié d'un spectrophotomètre A4 complet, d'un four de laboratoire minimum 1300 degrés Celsius et de deux étuves. L'Institut de recherche en sciences de la santé IRSS a quant à lui bénéficié d'un agitateur magnétique, de 5 bains-maries, de 5 balances analytiques, de 3 centrifugeuses et autres. Et le centre de recherche agronomique a eu un incubateur bactériologique, un autoclave vertical, une hotte à flux laminaire et tant d'autres appareils. Et le centre de recherche en sciences appliquées et technologiques pour terminer a eu 4 agitateurs, 3 fluxmètres numériques, 3 hygromètres et tant d'autres appareils. Selon le fournisseur responsable de Curpo Labo Sarles, cette livraison constitue 70% de la commande pour un coût total de 482 000 dollars américains. Le professeur Dieudonné Nyembo a exprimé sa satisfaction. Nous sommes un institut de recherche en sciences de la santé et nous nous occupons de tout ce qu'il y a comme phénomène qui menace la santé. Et nous ne pouvons pas être efficaces si nous n'avons pas de laboratoires de qualité. Depuis son avènement au ministère de la Recherche scientifique et Innovation technologique, José Mpanda Kabangu se bat pour que son secteur constitue le socle du développement de la République démocratique du Congo. Le parti politique Rassemblement des Congolais pour la démocratie, RCDKML, en congrès depuis hier à Kinshasa, les cadres et militants de cette formation politique d'Antipas Mbusa Nyamusi, venus de toutes les provinces, réfléchissent sur l'avenir de leur parti. José Baïtouambo. Après plusieurs années, le Rassemblement des Congolais pour la démocratie, Kisangani, mouvement de libération, veut signer son retour en force sur la scène politique congolaise. L'ouverture du deuxième congrès de ce mouvement, dénommé la Renaissance, en dit long. Pendant 3 jours, à partir du 14 décembre, les cadres et militants du RCDKML, venus de 26 provinces de la RDC, vont à cœur ouvert interroger non seulement le passé, mais aussi les actions menées jusque-là, et enfin de redéfinir l'avenir de ce parti historique du pays. Ceci dans l'idée de projeter et trouver de voies et moyens pour consolider les acquis contre toute usure du temps afin d'affranchir possible pesanteur qui bloque son envol. Nous voulons participer à la vie politique du pays en tant qu'acteur politique parce que nous sommes représentés aussi bien au Parlement national que dans certaines provinces. Donc nous allons continuer notre action politique dans le sens de soutenir ce qui est bon, de dénoncer ce qui ne va pas aussi. Antipas Mbusa Nyamwisi n'a pas manqué dans son mot d'encourager les initiatives prises par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en citant la mutualisation de forces entre la RDC et l'Ouganda contre les groupes armés. Le RCDKML, parti cher à Antipas Mbusa Nyamwisi, a été créé en 2002 et a pour vocation de défendre la RDC, son indépendance, son sol et son droit.
Nommé récemment par le président de la République, les nouveaux ambassadeurs ont été reçus par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo avant de commencer le travail. Ils ont été conduits par le directeur de cabinet du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Elvire Panzou. Ils sont au nombre de 6, les nouveaux ambassadeurs récemment nommés par ordonnance présidentielle aux USA, en France, en Chine, aux Émirats arabes unis, ainsi qu'auprès des institutions internationales comme l'ONU. 5 de ces 6 diplomates ont été reçus en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce jeudi 16 décembre, dans son cabinet de travail à la Cité de l'Union africaine. Délégation conduite par l'ambassadeur Ileka Atoki, directeur des cabinets du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Le président de la République leur a précisé sa vision en matière diplomatique. Il m'a été demandé d'accompagner auprès du chef de l'État certains des diplomates qu'il vient de nommer nouvellement à certains postes stratégiques. Donc c'est ce travail d'accompagnement que je viens de faire. Nous avons eu un échange assez fructueux avec le chef de l'État qui leur a prodigué un certain nombre de conseils, qui leur a précisé sa vision en termes des relations diplomatiques qu'il compte entamer non seulement sur le plan bilatéral mais également sur le plan multilatéral parce que nous avons 2 ambassadeurs qui sont représentants permanents auprès des Nations Unies, un à New York, l'autre à Genève. Et également, nous avons aussi échangé avec lui des questions pratiques qui sont inhérentes au bon fonctionnement du ministère des Affaires étrangères et de la diplomatie. Donc, comme vous le savez, il est le plus haut représentant en République démocratique du Congo. Oui, j'ai accompagné 5 de ces ambassadeurs qui se trouvent actuellement à Kinshasa. Il y a d'autres qui sont déjà partis pour occuper leurs fonctions. Rappelons que 23 hauts fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères ont été élevés à la dignité d'ambassadeur, puis nommés ambassadeurs le 10 novembre dernier par le chef de l'État. Ils intègrent ainsi les corps diplomatiques de carrière en attendant leurs affectations par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères. Et ce communiqué nécrologique avant de boucler complètement ce journal, la famille Franklin et Claire Kalombo Wabatanda, cadre à la RTNC Kasai Tshikapa, a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de son épouse, Madame Kulondi Malou Claudine, décès survenu à Kinshasa le 2 décembre 2021 de suite d'une maladie. Le programme de funérailles se présente comme suit. Samedi 18 décembre 2021, levé du corps de la morgue de l'hôpital de référence de Kinshasa Ex-Mamayemo à 8h30. Quelques minutes de recueillement suivi de l'enterrement au cimetière de Kinkole, nouvelle cité dans la commune de Lancele. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, avant de nous quitter, voici le rappel de titre. C'est officiel, la maladie à virus Ebola est terminée dans le territoire de Beni. Une 13e épidémie vaincue grâce à l'expertise congolaise. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a fait l'annonce aujourd'hui à Kinshasa. Vous l'avez suivi dans ce journal. Pour une grande première, les épreuves nationales de la formation professionnelle ont eu lieu et les résultats sont disponibles. Les meilleurs des lauréats se sont retrouvés à Kinshasa et ont reçu du Premier ministre les brevets de certification d'aptitude professionnelle. Merci de nous avoir suivis et partout ailleurs sur satellite. Ce journal, nous le dédions à notre confrère Hervé Poudi qui souffle aujourd'hui une bougie de plus dans sa vie. L'actualité continue. Retrouvez à 23h Serge Merlin Mata. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain à 20h. Au revoir et bonsoir sur vous.